les paramétrages de base de WordPress. Alors, on va voir quels sont les paramétrages vraiment préliminaires à opérer sur WordPress pour que l'on puisse ensuite, dans un second temps et dans d'autres vidéos, le personnaliser. La première chose que l'on va faire, c'est se connecter sur notre WordPress en tant qu'utilisateur, mais également se connecter en tant qu'internaute anonyme. Je vais ouvrir deux fenêtres de navigateur différentes pour que vraiment il ne sache pas que je suis l'administrateur. C'est bon d'avoir une vision vraiment internaute et ne pas être quelquefois pollué par certaines informations d'administration qui traînent dans les cookies du navigateur. Donc, je vais déjà me connecter en tant qu'internaute non reconnu. Donc, pour cela, j'utiliserai toujours Firefox. Donc, quand on voit l'icône de Firefox, je serai l'internaute. Donc, j'ai fait un copier-coller de mon URL hein, pour la taper plus rapidement. Donc, prénom-nom.etu-pedaweb.unif-amu.fr/WordPress. Je valide. Et je vais tomber sur mon site web brut, tel que vous avez tous, puisque nous partons tous avec la même base, qui est un site web de base, avec un framework, avec un modèle, un template plutôt de base que l'on va essayer de personnaliser. Alors, on repère quand même que Amu n'est pas un hébergeur classique, donc du coup, il ne peut pas nous autoriser à publier un site web sur ses serveurs ouverts au monde entier. Donc en fait, on ne peut accéder à notre site web qu'en étant usager d'Amu, c'est-à-dire un utilisateur appartenant à Aix-Marseille Université, étudiant, enseignant, personnel administratif. Je vais donc me connecter pour être reconnu comme utilisateur AMU et du coup j'accède à mon site web. Voilà, donc ça c'est un site web classique, vide avec un peu de texte, mais sans aucune fioriture, sans aucun détail, sans aucune personnalisation de ce que je souhaiterais faire. Maintenant, je vais ouvrir ce site web sur un second navigateur dans lequel je serai l'administrateur. Donc, je répète, pour basculer dans le back-end, pardon, pas le back-end, non, pour passer dans le back-office qui va me permettre d'administrer le site web, c'est l'URL de mon site qui se termine par slash WordPress et auquel je rajoute wp-admin. Du coup, il va me demander de me connecter. Je vais me connecter. Et là, je vais tomber vraiment sur mon interface d'administration. Le process sera toujours le même. Je vais faire une modification dans mon back-office, puis je vais vérifier dans le front-office que la modification se répercute comme je l'entendais. Alors, première chose que je vais peut-être faire, c'est dans un premier temps mettre en français mon site. Donc, pour mettre en français mon site, c'est extrêmement simple. En fait, nous avons ici un dashboard, c'est-à-dire un tableau de bord qui va me permettre d'administrer mon site. Puis sur la partie gauche, nous avons un menu. Ce menu, il va y avoir deux grandes parties. Une première partie qui gère les contenus, une seconde partie qui gère toutes les mises en forme, les outils supplémentaires du CMS que l'on va rajouter, et puis bien sûr les paramétrages classiques que l'on regroupe dans les settings. Dans les settings, il y a un sous-menu parce qu'il y en a énormément. On va aller dans Général. Et dans Settings Général, on va juste aller dans Site Language et à la place d'anglais, on va choisir le français pour avoir une interface française, ce qui nous facilitera quand même notre travail. Donc français et après, je sauve les changements. Une fois que les changements sont changés, vous voyez que tout le site est passé en français. Et puis si je vais sur mon site web, quand je le réactualise, bien entendu, lui, il ne va pas changer, puisqu'en fait, ça, c'est l'interface utilisateur. Donc j'ai juste changé
la langue du site. Maintenant que nous sommes ici, on va essayer de faire quelques modifications et on va parler un petit peu du menu. Donc tout à l'heure, je vous disais que les premières options, articles, médias, pages, commentaires, ça concerne les contenus de notre site web. On va écrire des articles, on va mettre des images, des vidéos, des sons. On va créer des pages. On verra la différence qu'il y a entre un article et une page un petit peu plus tard. Et puis, on va aussi gérer les commentaires, c'est-à-dire la façon dont l'internaute va pouvoir interagir avec le site web. Première partie. La deuxième partie de ce menu, c'est celle-ci, de apparence jusqu'en bas réglage. Alors, l'apparence, ça va nous permettre de gérer le design du site. Donc, si vous voulez des couleurs, bleu, jaune, vert, blanc, eh bien, ça sera dans apparence que l'on va placer des modèles de présentation. Ensuite, extension, c'est comment faire pour rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas présentes de base dans WordPress. Compte ou utilisateur, c'est ce qui va nous permettre de gérer les différents utilisateurs de notre site web. Outils, ça va être des options qui permettent d'importer le site, d'exporter le site, et puis quand on rajoutera des extensions, vous verrez que ce menu va au fur et à mesure s'enrichir de fonctionnalités. Et enfin, les réglages, les paramétrages de base vont se faire à ce niveau-là. Et c'est cela que l'on va faire dans un premier temps. Alors, concernant ce menu réglage, nous allons faire un certain nombre de modifications. Déjà, on va peut-être donner un nom à notre site. Donc, le site que je vais faire, donc on va aller dans Réglages, Général. Le nom, plutôt que ce soit mon adresse mail, on va mettre Avotoc. Ensuite, on va mettre un slogan. Le slogan, c'est la baseline, c'est une petite phrase qui explique le site web. C'est la petite phrase, le fameux Just Do It, par exemple. Donc, la petite phrase qui va être la phrase forte de votre site web. Moi, je vais résumer mon site à une cuisine délicieuse en quelques minutes. Ensuite, on va vérifier qu'un certain nombre de choses s'y trouvent. Quand je suis sur l'adresse email, je vais quand même vérifier que l'adresse est correcte. Donc, il s'agit bien de mon adresse mail universitaire. On va également descendre à la langue du site. On est bien sûr français, hein, comme on l'a modifié tout à l'heure. Et puis, on va ensuite vérifier le fuseau horaire. Les serveurs, en fait, ne sont pas forcément sur le même fuseau horaire que nous. Le serveur que vous utiliserez, vous, quand vous ne serez plus à AMU, sera peut-être situé aux États-Unis, en Afrique ou en Asie. Donc, si vous voulez que le système utilise un système horodaté en France, eh bien, on va choisir l'heure de Paris. Alors, on peut mettre les heures UTC, hein, mais il est beaucoup plus simple de remonter dans les villes et puis de chercher Paris. Alors, hop, on va remonter tout en haut. Afrique, là on est aux États-Unis. Alors, Europe. Et dans Europe, on va chercher Paris. Voilà, donc ça me va mettre automatiquement l'heure de Paris avec une mise à jour pour les heures d'été et pour les heures d'hiver. Ensuite, on va choisir un format d'affichage de date. Celui-ci convient bien au système français, 9 octobre 2021. Et puis un format d'heure, celui-ci me convient parfaitement, 14H54 pour 14h54. Enfin, on vérifie bien que la semaine débute le lundi. Il faut le préciser parce qu'aux États-Unis, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc, on ne dit pas les mêmes calendriers. Une fois que ces paramétrages de base sont faits, on peut enregistrer les modifications. Et il y aura quelques modifications qui vont apparaître sur notre site web. Donc j'ai changé le titre et le slogan. On bascule sur notre site web. Là, il n'a pas changé. Il faut simplement réactualiser la page pour que
voyons les modifications. Effectivement, ça y est, mon site se personnalise, puisque maintenant c'est à vos tocs, une cuisine délicieuse en quelques minutes. Dans les vidéos suivantes, nous allons apprendre à transformer ce site identique à tous en un site très personnalisé.